Star Wars épisode 2 par rapport à l'épisode sorti aujourd'hui, le 18 décembre. Voilà, alors, donc j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, j'ai expliqué un peu mon sentiment sur le film. Maintenant, je voudrais qu'on revienne sur autre chose, sur le battage. Je me rends compte que je suis allé voir un film que je n'ai pas aimé. Pas parce que je voulais le voir, je pense, mais plus parce que on me l'a vendu. On me l'a vendu comme si on vendait un McDo. Et ça, je trouve que c'est un peu grave. Même c'est grave. Voilà. Donc j'ai pas vu un film parce que j'avais plaisir d'aller voir un film. Mais parce que on me l'a vendu et on m'a vendu une espèce de packaging et qu'on a fait une com là-dessus. Voilà. Et au final, le film n'était pas intéressant. Donc c'est quand même un gros problème au final. Parce qu'il y a beaucoup de films comme ça qu'on retrouve dans le même genre qui font du battage et à la fin, on s'aperçoit que c'est un peu des nanars, quoi. Il a très très cher. Donc c'est dommage. Dommage tout ça. Parce que ça. Il y a des bons films. Des très très bons films. Mais ça pose problème pour ces bons films, quoi. Parce qu'au final, ça fait jeu de qui, quoi. Et certains avaient prévu par rapport à Star Wars. Un peu le problème. T'avais prévu ça, ils en avaient parlé, ils ont « Ah, Disney, Star Wars, est-ce que c'est la fin de Star Wars ?» Ça y ressemble. Ça y ressemble beaucoup. Donc maintenant, il faut voir l'avenir. J'ai pas le bout de cristal, mais là, ça sent mauvais, les gars. Voilà. Mais est-ce que l'industrie du cinéma, t'as pas intérêt aussi à se remettre un peu en cause? Parce que quand même, c'est beaucoup de com pour des films qui sont pas au top, quoi. Qui sont juste des. Même pas des divertissements, des téléfilms, des films un peu. Voilà. Aussi bien français qu'américain. Hein, parce qu'on va pas tout mettre sous le compte des films américains non plus. On dit, ah, les films américains, c'est pas la merde. Non, mais c'est des films français qui ont les mêmes méthodes. Et ça devient terrible. Parce que, est-ce qu'à la fin, les gens vont dire oh, allez, j'ai un abonnement de Netflix. Est-ce que, à un moment donné, j'arrêterai pas d'aller au cinéma? Parce que, de toute façon, mon abonnement, je l'ai. Et que, bah, si j'attends un petit peu, bah, le film, je le verrai en DVD ou ailleurs. Donc, ouais, ça en dit long, peut-être, hein, sur un problème qui commence à arriver, qui commence à se dessiner tout doucement. Alors, il y a des bons films, hein, pas dire ça non plus. Le cinéma américain, bah, Joker est un bon film, par exemple, en opposition avec ce qui a été proposé avec Star Wars. Donc, à voir la suite. Voilà. Donc, c'est un peu mon sentiment, l'histoire. Voilà. Donc, je voulais en parler. Comme d'habitude, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Bisous à tous et puis bonne soirée. C'était Géo. Voilà, restez heureux. Bisous.